Bonjour, Président José. Oui, bonjour. Présentez-vous comme moi, le 4 jours pour jour, chef de l'État, 4 ans déjà. Nous avons dit que nous avons retenu le monde. En tout cas, aujourd'hui, nous avons retenu les actes, nous avons remercié pour protéger son excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi. 4 ans au pouvoir, le bilan est largement positif sur le plan action sur le terrain. Donc, le président de la République a réalisé tout ce que tous les régimes qui ont passé n'ont pas réalisé. Oui, mais c'est quelque chose de normal parce que social, les gens ont un caractère ébélé, les gens ont un point ébélé. Le président Félix Tshisekedi, il faut qu'il y ait pas. Attendez, c'est que j'ai autre chose. Il faut qu'il y ait pas. Place il n'y a pas de Kimboka, place il n'y a pas de Mamboka. Donc, dès lors qu'il y ait pas de social, il y a un point ébélé. Au présent réalisé, notre gratuité de l'enseignement, notre salaire à fonctionnaire, nous sommes tous ça pour nous pouvons avoir même élevé salaire à armée, la police n'a bien sûr, ils ont un mingi. On perd ce temps, on perd cette chance dans le deuxième mandat, pour comment on a, qu'est-ce qui va se passer. Oui, population tout à fait d'accord, après qu'on réclame, mais à ce qu'on prend le niveau ni de Zalaki, le niveau de ton pays, ils dans les gouffres. Le président a tombé dans mon malembe, donc on a fait population au CPL. Est-ce que Mbo a perdu le chef de l'État confesse dans le deuxième mandat en 2023, Mme Bouka? Oui, beaucoup plus. Oui, parce que 2023, le président Félix Tshisekedi, il y a un sondage à Libanda. Ils ont attesté déjà que non, noir sur blanc, que le président Félix Antoine Tshisekedi sera réélu avec vraiment avec beaucoup de pourcentages parce que le peuple congolais est d'accord avec lui, avec la volonté politique que le président Tshisekedi incarne. En tout cas, il aura un deuxième mandat sans débat. Merci beaucoup, président José. C'est moi qui vous remercie. Mbouka, bonjour. 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 Mbouka, vous avez tenu la 4 ans, cher chef de l'État, le président Tshisekedi. Merci, Ndeko journaliste, pour nous faire ça, pour nous faire ça. Pour cela, Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, commandant suprême des forces armées congolaises, a sali Moussala Mounene. Dans 4 ans, d'abord, on a eu 2 ans de gâchis des FCC. Bato Bazaki n'a pouvoir pour faire souffrir le peuple congolais. Mais le président de la République, Félix Tshisekedi, a sali pour remonter la barre très haut, pour renverser la force du diable. Oui, Zalaki, utilisé par la communauté internationale pour faire souffrir le peuple congolais, Félix a détrôné ou bien a déboulonné le système dictatorial de l'élite mounène au peuple congolais pendant l'époque de l'indépendance, pendant Kobunda. Comment les changements peuvent venir dans notre pays? C'est grâce à Félix Tshisekedi qui a renversé donc force Wana, il y a la multinationale, il y a la communauté internationale, il y a Paul Kagame, pour accompagner ce peuple congolais, liberté. À se choisir, ma dirigeant, c'est pourquoi mon majorité, il y a Kabila, et comme il y a peuple congolais, dans l'hémicycle, il y a le Parlement d'Abissot, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit au Sénat. Et il y a encore mon peuple congolais, a fait six chances, la présidente de la République a réalisé, ma Makambo et Asali, ce qui n'a pas été, ce qui n'a pas été, ce qui n'a pas été,
on peut regretter. Le peuple congolais a la socialité. C'est-à-dire, la gratuité de l'enseignement est la quitter dans mon pauvre, malgré les gens qui inscrit dans la Constitution. C'est-à-dire, santé universelle est la qui n'a pas été. Mais c'est grâce à Tshisekedi, les lots, qui ont été à l'hôpital et à Mama Yemo, au Mona, pendant 1900, pendant l'indépendance, l'hôpital où on a été oublié, et pas à Mungutu, et pas Laurent Désiré Kabila, et pas Joseph Kabila, Bamboula, Nyonso, tout ça. Mais c'est grâce à Tshisekedi, à son réhabilité l'hôpital. C'est grâce à Tshisekedi, les lots, fonctionnaires à l'État, à Zali payer régulièrement. Du janvier jusqu'au décembre, il n'y a pas des arriérés, il y a salaire. Ok, merci. On l'a bien. Dollar et Zali Komata. Et Zali Komata pour Nani. Facteur, et Zali Komata, ça, dollar et Yango, et Nazo, ça peut congolais, bon, on a bien. Tshisekedi, Ayako Kouta, enseignant, va nous foutre 80 000 francs. Maintenant, Tshisekedi, à l'objet que non. Fonctionnaire à l'État a quoi qu'il cause la malgré beauté. C'est-à-dire à augmenter le salaire. Quand on augmente le salaire, il y a masse à circulation, il y a masse monétaire sur toute l'étendue de la République. Parce que Tshisekedi a campé sur la capitalité. Azali, même à l'intérieur, un enseignant qui touchait 80 000 francs, les lois ont touché 300 000 francs. C'est-à-dire, monnaie n'a plus de masse monétaire est en circulation et Zali est meilleur. Or, ce qui est rare et cher, la loi de l'offre et de la demande, ce qui a provoqué que dollar est perdre, franc n'a plus de perdre de crédibilité. Dollar est yé mouké, franc et Zali est meilleur en circulation. Pour parce que par injecter masse monétaire dans la circulation de la population, il y a un bon monnaie, pas de nion sur Bazali à Kosebi. Parce que le peuple, enseignants, militaires, la police, ils ont un salaire. Mais c'est grâce à ce que dit salaire. Maintenant, le salaire a provoqué masse monétaire en circulation, ce qui a bougé un peu les taux de dollars dans les francs. Mais à la lire où les choses, comme tu as dit déjà qu'on produit, il y a une production. Tu as une économie qui est extravertie. Tu as importé, mais tu as exporté. Mais grâce à Tshisekedi, tu as les lots à usine à or, il y a raffinerie à or, il y a raffinerie à cobalt et à cuivre dans le Bissau. Bon, mon idée de la première échantillon, il y a un échantillon à or, le président de la République a attaqué les Émirats arabes unis. C'est pour vous dire que, avec Tshisekedi, le Congo est revenu sur le rail. Congo, comme le Bango, ils allaient payer solution grâce à Tshisekedi. Kalawana, ils allaient payer solution. Que ce soit sur le plan environnemental, que ce soit sur le plan y a économie, que ce soit sur le plan y a sécurité, les lots, nos forces armées ont acquis une formation acquise. Il y a des réformes où Ezali Tshisekedi est en train d'entreprendre pour que l'intégrité à notre territoire et la bien assise. Les lots Kagame Azali Kolela. Kagame où il y a Kolela T, a commis Kolela. Azali qui maître du terrain Afrique centrale Mobimba. Les lots Kagame est en train de chercher à qui en Amérique Baboye, à qui en Europe Baboye. Les lots, je vous informe, j'informe le peuple congolais à travers ces micros que dans quelques heures, on va lancer des missiles sur Kigali. Vous allez voir que tous ceux qui étaient derrière Kagame vont lâcher et puis on va placer une autre personne et ça sera la paix totale en Afrique et en République démocratique du Congo. Merci. Je dis et je vous remercie. Côté, c'est ce que je n'accepte pas. Donc, j'ai été assisté par une maman de la République, Olive Lembe, ça se limite dans l'humanitaire et sanitaire. Mais le problème qu'il y a, polémique, triomphalisme, il n'y en a pas. Le président avait instruit au secrétaire général de rassembler les troupes. Donc l'IDP c'est comme une armée. Dans une armée, il y a ce qu'on appelle la discipline. On devait qu'il y ait s'obtempéré. Et le secrétaire général n'a pas fait la tétiquesse, il a suivi les mots d'ordre du président. Il nous a reçus avec un pardon dans sa bouche. Il a démontré sa capacité de rassembler les éléments. Parce que, on doit se le dire, si nous allons aux élections de manière dispersée, ça nous sera difficile de remporter la victoire. Donc, je profite de cette occasion pour assurer aux autres combattants qui sont un peu réticents de venir
qu'Augustin Kabuya a un cœur ouvert, il a déjà tourné la page de nos divergences. Et donc c'est ça, maintenant les linges sales doivent se laver dans la maison, non dans les médias. Merci. Est-ce que vous êtes satisfait du bilan de Félix Tshisekedi, 4 ans déjà? Le bilan est positif, le bilan est positif et le bilan sera démontré après les élections quand nous serons défectorés. Le bilan est positif. Comment va votre santé? La santé s'améliore, je continue à prendre mes soins au centre hospitalier Chip de Bémol. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonjour. Bonjour papa. Je suis venu à l'appartement de 4 jours pour jour à chef de l'État. Et vous avez retenu 4 chefs de l'État, c'est Jean Munganga. Dans le mandat, oui. Mais pas pour retenir le changement, hein. Il faut vraiment qu'on dit que le changement et ça l'est mis par rapport à 18 ans. Il y a un changement. Par rapport, il y a un changement. Pratiquement sur tous les plans. Il y a un changement, mais 400 dollars, l'icolo, ma case, qu'est-ce que mon papa, mon amboka, mon ganga? Ma boko sort, il faut reconnaître. Tant que vous avez un changement, 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 vous avez un changement. Pendant que je suis mon cause, je suis tout. Je suis un mensonge. Mais dollars, du moins sur le plan économique, ma campagne est bon. Je suis un peu plus de temps. 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 Est-ce que tu espères un deuxième mandat pour mon amour? Tu sais ce que tu dis? Est-ce que tu peux espérer un deuxième mandat par Fitoto Tshisekedi? Si. Mais est-ce que tu as été presse en général? À part que tu as été en train de opposant, tu as été en train. Mais si tu as été en train de mandat, est-ce que tu as été en solo? Tu as été en train de faire un équateur? Chef d'État qui est en train de. Maintenant, on a l'engouement de la ville mobile. Et puis, on a l'espoir que c'est ça. Je me demande d'aller sur. Merci beaucoup, c'est Jean Munganga. Merci. Merci. Bonjour, Dr. Boni. Bonjour, mon président. Je suis un peu partout dans le monde entier. Je suis 4 ans déjà chef de l'État, déjà le 24 janvier. Et donc, on est un peu plus retenu dans 4 ans chef de l'État, mon amour. Oui, en tant que président fédéral de la Ligue des Jeunes et Amouamba, Dr. Kalumba Boni, que vous connaissez, pour rendre grâce à Nzambe, que depuis Félix Antoine Tshisekedi, son excellence chef de l'État, a eu le pouvoir, ça fait 4 ans. Et 4 ans, nous avons dit merci parce que il est dans un moment très difficile. Il y a la Covid, il y a la guerre. Nous avons dit que le mandat est un mandat élogieux, un mandat positif. Mais le bilan est tellement positif que tout le monde sait que ce qui a été sauté, mais le mandat est nul. Mais l'implication de Nzambe, c'est que notre président reste en vie et que le mandat est largement positif. Voilà pourquoi nous rentrons pour dire gloire à Dieu pour ce qu'il a fait pour notre parti et pour notre pays. Maintenant, tu as dit que le mandat est tellement positif et que tu as dit que tu sur le terrain, de là, ici, comme tu as dit, comme tu as dit, bilan positif. Oui, effectivement, toi, manette les cambois dollars. Moto a stali, ma cambouille amboka. On va bien avoir un vu mon corps.
nani au longitudinal à Rolobaque et Mati, mais surtout ça les comparativement à Bamboka Moussousou. Au moins dernier nini, des prestations à Bambo on a Bamboso Salema, pour au moins que Bisso, il y a pourcentage où il y a Bisso, ça y a 5000 collègues à Bamboko et Léki. Donc les lots aux anakata mondialisation et que les lots passent au Ezali au Simba monde entier, n'a qu'à tiens qu'on a vu tout ça les efforts pour que Ezala ressenti ma capacité. Voilà pourquoi nous disons que notre bilan est largement positif comparativement à ma bilan père Bamboka Moussousou. Pour espérer na deuxième mandat chef de l'État, pour mon amour de l'État. Effectivement, Moto a sali nion sur tout Oya Malam, la Kélas, c'est la gratuité de l'enseignement. Les lots, moi, comment est-ce que le budget Amboka est mati? Na niveau, il y a santé, ba médecin et belé. Les lots, basali. Dans le domaine de l'évolution, nous avons fait un deuxième mandat. Voilà pourquoi nous avons fait un mandat. Mais non seulement merci pour le mandat aux Okoma Nasuka, mais nous avons fait un appel à Sousou à battre la bise pour le mandat aux Alifoya. Merci beaucoup. Je vais vous donner un peu de temps. Aujourd'hui, nous sommes 4 ans de notre pouvoir. Nous avons fait un peu de temps pour accéder au pouvoir. Jour pour jour, nous disons merci au Seigneur pour la date d'aujourd'hui. Nous disons merci au secrétaire général pour avoir réussi à organiser cette messe pour honorer notre pouvoir. Nous disons merci au chef de l'État par rapport à ses réalisations. 4 ans durant, ce n'était pas facile, avec toutes les zones de turbulence que nous avons passées. Aujourd'hui, nous disons à Dieu merci pour cette journée. Combien grandiose pour nous, les présidents cellulaires, la vie pour nous. Nous disons merci au secrétaire général pour avoir pensé aussi à inviter toutes les couches de la population qui nous a venu participer nombreux pour assister à cette lutte. Voilà la raison de notre lutte dans cette lutte. Pour Sindambe, merci. Nandenge, à Pessibiso, à Commission pour l'Alelo, 4e année depuis le président de la République a contacté notre pouvoir. Le secrétaire général, bien entendu, comme le Massoulou, est parti au quotidien. À Sengak, il y a un membre qui est parti. Il y a un président cellulaire, tout ça, où le Massoulou est parti. Il y a un ébélé pour nous participer à la messe. Pour nous tomber dans le monde, il y a un colon Zambé. Afin qu'après ça, Tata Mokondi, la République, Maël est ébélé, Boigny est ébélé. Namakasi, il y a conscience de sa population. Nandenge, il y a un peu de qui passe sa population pour que. Nzambe asala que non a guidé yé ayo que la population mawa nenge zali ko mona na ba réalisation oyo tata mukoti asali na kati ekolo ya République démocratique du Congo.
donne de la peine et va chercher Jésus pour sauver ce serviteur. C'est ça un exemple de sagesse qui se manifeste par l'amour. Pas seulement l'amour de ceux qui nous sont proches, mais l'amour de tout homme, de toute personne, de tout humain, et surtout l'amour des marginalisés, l'amour des pauvres, l'amour de ceux qui sont dans le monde besoin. Notre prière, c'est que le Seigneur puisse donner une telle sagesse à notre chef de l'État pour qu'il puisse aimer son peuple en se sentant à manifester son amour vis-à-vis de son serviteur. Un chef qui cherche le bien du serviteur, c'est ça la sagesse du Seigneur. Et même Salomon en est déclaré. Nous voulons prier pour que cette sagesse puisse aussi nous habiter, nous animer. Nous qui sommes, qui faisons partie, disons, de la famille politique du chef de l'État. Parce que c'est d'abord sa famille qui l'écoute. Les premiers conseillers, ce sont ceux qui nous connaissent, ceux qui sont avec nous, ceux qui nous entourent. On sait que dans la vie, il y a toujours deux catégories de personnes qui nous entourent. Il y en a qui nous donnent des bons conseils, et il y en a qui nous donnent des mauvais conseils. Il y en a qui, une fois qu'on a des responsabilités, ils viennent nous entourer pour nous dire, mais nous, c'est votre tour. Maintenant, tu peux arriver. Maintenant, tu peux persister. Maintenant que tu as le pouvoir, tu peux bien guider les autres. Ça, ce sont des mauvais conseils. Mais il y en a, malheureusement, ils sont minoritaires, ceux qui donnent des bons conseils à leurs frères, surtout lorsqu'il y a des responsabilités, des grandes responsabilités. Notre prière est que ceux-là qui peuvent donner des bons conseils, qui peuvent être la lumière, qui peuvent être, disons, des messagers de Dieu pour aider notre chef à grandir dans la sagesse, que ceux-là sont majoritaires. Ceux qui veulent l'aider, l'accompagner en lui donnant des bons conseils. Donc, exercer l'autorité du Seigneur, c'est se soumettre à cette autorité qui nous envoie justement à aller vers ceux qui souffrent, à aller vers ceux qui ont le plus besoin. Voilà le Seigneur de prière aujourd'hui, que le Seigneur puisse nous donner cette sagesse. Cette sagesse qui va nous pousser à pouvoir nous mettre au service des autres. Notre parti, il est baisse, a eu la grâce de traverser d'abord la souffrance, la lutte, la souffrance pour le peuple avant d'accéder au pouvoir. Et ça, c'est une grâce. On dit, après ça, qu'un conseil dans mon dos, à l'autre, parce que celui qui va au marché, il ne sait pas ce qui se passe. Mais celui qui vient au marché, il sait ce qui se passe. Lui, on ne peut plus donner le conseil. Parce que la vie elle-même lui a donné le conseil. La souffrance lui a donné le conseil. Lui, des personnes, il a la grâce de connaître la souffrance du peuple. Parce que lui-même, elle-même, a connu cette souffrance du peuple. Et passer par la souffrance avant d'accéder au pouvoir. La sagesse du Seigneur voudrait que le parti ne puisse pas oublier cette souffrance qu'il a partagée avec le peuple. Généralement, lorsque on est dans la masse, dans la souffrance, on a la grâce de traverser la barrière, d'aller de l'autre côté. La tendance normale est d'oublier. Ceux qui sont dans le pouvoir, que nous ne puissions pas oublier ceux avec lesquels on parle.
pense que nous avons connu dans le passé. Non pour tout le monde, pas seulement pour nous, non pour tout le monde. J'ai souffert dans le passé. Maintenant, je vais créer un avenir. Que cet avenir, les souffrances du passé reviennent dans l'avenir. Pas seulement pour moi, mais pour tous. Ce dont j'ai la responsabilité, que le Seigneur m'a donné la responsabilité de conduire. Et c'est ça la salaire du Seigneur que nous voulons demander pour que le Seigneur puisse nous aider à être des hommes et des femmes sages qui peuvent retrouver.
Belgique.